Bonjour, je suis Séphie Coquerel, la maman de Miss France 2014. C'est un sentiment très fort, heureuse, une maman heureuse. Parce qu'en tant qu'immigrée en France, moi un jour si on me disait que je fais une fille qui va représenter la France et mon pays, le Bénin, je dirais non. Et on a réussi et c'est une grande, grande fierté. Pouvez-vous parler de la relation de la fille avec la relation que j'aime avec ma fille, c'est fusionnel. Parce que ma fille, c'est la dernière, c'est ma petite dernière. La dernière, souvent, elle est chouchoutée, comme dit les plus grands. Et c'est très, très fusionnel, on est très proches et c'est une fille très gentille. Elle est belle, mais gentille. C'était un sentiment très fort. Ce qu'on veut croire, et en même temps, on s'empêche de croire. Parce que c'est tellement difficile et très haut. Et quand j'ai entendu le nom de la région que ma fille représente, je me suis effondrée des larmes. C'était la joie immense. La famille sera revenue au Kimas prochain. C'est l'État béninois qui l'invite. Donc, elle invitait un peu partout Flora Coquerel. Et Flora Coquerel, c'est une Miss franco-béninoise. Ce serait dommage qu'elle parte ailleurs sans venir dans son pays de sa maman. Donc, et le président a tenu à l'inviter pour que la population béninoise puisse la voir aussi. Le message, c'est pour les dire que c'est une joie immense. Tous les Noirs, je ne vais pas dire tous les Béninois, tous les Noirs qui sont en France étaient fiers de Flora. Et le message que je voulais passer, c'est d'être fier de représenter parce que Flora, elle parle du Bénin partout. Elle était au Panama pour les 100 ans du canal. Elle a parlé du Bénin. Et elle ne s'en cache pas de ses origines. Elle est fière du Bénin et veut que les Béninois soient fiers d'elle. Merci. Ça, c'est bien pour conclure. Donc, le dernier mot, c'est que je veux dire aux Béninois, je les invite à venir accueillir Flora à l'aéroport. Elle arrive le 10 mars à 22h. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour accueillir Flora. Elle sera fière et je crois qu'elle va couler une larme aussi. Elle voit tout ce monde autour d'elle. Voilà, je vous remercie.